Salut à tous, c'est Bysanka. Donc aujourd'hui on se retrouve avec la Debauchee 770, un nouveau véhicule qui est sorti ce matin sur GTA 5 Online. Une sportive pour une fois, ça fait plaisir. Et franchement je la trouve vraiment stylée, regardez elle est derrière nous. Donc je suis avec des abonnés, regardez on a tous notre Debauchee 770 et je la trouve vraiment magnifique. Avec un pare-choc à l'avant assez agressif. Donc avant de commencer je vais vite vous donner le prix, donc on se donne rendez-vous sur le Legendary Motors juste ici. On peut voir la Debauchee 770 à 695 000 $. Donc beaucoup moins cher que la T20, la Grotti ou les super sportives. Hein, je vous le rappelle, c'est une sportive. Mais franchement, elle est quand même assez classe. Donc regardez au niveau des performances, c'est assez raisonnable. 695 000 $. Donc on l'a acheté, elle est juste ici. On va aller au LS Custom pour vous montrer un peu les équipements et les accessoires qui sont disponibles pour ce véhicule. Je vais juste vous montrer un peu le véhicule en vue à la première personne. Voilà, je vais me décoller des autres voitures. Je me mets en vue à la première personne, regardez, je trouve elle a vraiment un look agressif, je la trouve vraiment stylée, dommage que ce soit une sportive et qu'elle soit moins rapide qu'une T20 ou qu'une X80 Proto. Il faudrait que les créateurs de courses nous fassent des courses en sportive et qu'ils bloquent ce véhicule, je pense que ça pourrait être vraiment intéressant. Je l'ai un peu roulé déjà et elle est vraiment maniable, elle a une assez bonne vitesse pour une sportive. Je ferai peut-être quelques petits tests de vitesse avec ce véhicule et d'autres sportives. J'ai fait pas mal de tests avec des super sportives, mais pas beaucoup avec des sportives. Pour voir quelle sportive est la plus rapide sur GTA V. Allez, c'est parti. On va aller au LS Custom pour équiper un peu tout ça. Ah, la leur est déjà équipée. Hein. Franchement, elle est assez rapide quand même. Mais elle a déjà démonté. Allez, le LS Custom qui est juste ici, c'est parti. Allez, ouvre-toi. On va voir un peu ce qu'il y a de disponible. Donc la Debauchee 770 sportive. Ça change un peu une nouvelle sportive. Donc, réparer le véhicule, le blindage à fond, les freins pareil. Le moteur à fond. Au niveau de l'échappement, donc échappement de série en titane ou échappement ovale. Moi je préfère franchement les 4 pots d'échappement. Hein. Ensuite, on a l'éclairage, donc phare au xénon. Donc la peinture, on verra après. Bas de caisse. Donc deux séries custom ou en carbone. On va les mettre en carbone. Aileron, donc aucun. Aileron bas. Aileron haut en carbone et carbone type 2. On va mettre celui-là. Suspension, donc on la rabaisse au maximum. Transmission pareil, transmission de course. Turbo. Les roues, franchement, on va laisser les roues de série qui sont magnifiques. Couleur de jante, on peut pas mettre. Apparence des pneus non plus. Amélioration. Fumée de pneus. On va voir avec la couleur, les fenêtres teintées, limousine. Et du coup, au niveau de la couleur, j'avais vu une image de ce véhicule. Je vous l'avais déjà présenté il y a quelques semaines, c'était avec un jaune, ça faisait vraiment magnifique. Donc j'ai quand même vous passer un peu toutes les couleurs pour vous donner une idée. Enfin, toutes les couleurs principales, du moins vers les mots aussi, ça fait pas mal. Hein. On a quoi d'autre qui est cool? Voilà, regardez, en jaune racing, franchement, je trouve elle est magnifique. Moi, je vais la mettre en jaune racing. Ensuite, il y a quoi? On va la mettre en jaune avec peut-être un effet néon. Ouais, on va voir. Je vous montre juste les autres couleurs. Franchement, je la trouve vraiment stylée avec toutes les aérations comme ça sur le capot et tout. Oh, comme ça aussi, elle est belle. En rouge lave. Il y a quoi d'autre sinon de bien? Graphite aussi, à moins qu'elle soit bien. Elle est stylée comme ça aussi. Donc, je vais la laisser en jaune. Je vais mettre du nacré pour que ça brille. Genre celui-là, là. En saumon, ça rajoute un bon. Ouais, même là, orange profond. On va mettre orange profond. Je regarde rapidement s'il n'y a pas d'autres trucs. Il n'y a pas d'autres mélanges qui pourraient être cool. Ah, c'était quoi ça? Blanc glacier. Ah, ça fait stylé comme ça. Et on va mettre le blanc glacier. Voilà, je pense qu'on a fini. Du coup, on va vite mettre les néons dans les feux. Ils sont les feux. Éclairage, kit néon, support avant, arrière, des côtés. Et on va mettre une couleur, voilà, jaune. Ouais, jaune fièvre. Ah, franchement, je la trouve stylée. Allez, on sort du LS Custom pour voir ça un peu dehors. Ils sont où les autres? Hop là. Ah, franchement, je la trouve magnifique. Une rouge, une... T'es pas sérieux? On a tous les deux au LS. Ah, franchement, un bon petit véhicule. On va faire une course juste après, donc avec cette sportive, cette nouvelle sportive. Pour vous donner un peu une idée si elle tient les wall rides, ce qu'elle donne en course, what the fuck. Ici, c'est un bon choix de l'acheter. Et voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si c'est le cas et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Moi, je vais vous laisser sur ces images. Je vous dis à tous bon game et ciao tout le monde.